Là, mon mage me manque en fait en vrai. Ah, ça y est, il est à 2 HP. Il faudra vraiment le res là. Hein. On va tenter la chronosphère. Si la chronosphère passe, il y a moyen. Malheureusement, elle ne passe pas. La chronosphère, elle passe tellement pas en ce moment, quoi. C'est abusé. Ok, je vais tenter des buffs. Sur Morik. Est-ce que Morik a des spells? Oui. Morik a des spells. Lui, il a un taunt. On va essayer de le taunter quand même. Voilà, parfait. Parfait, on a bientôt le... On a bientôt le rest de up. Et le rest de up va nous aider, à mon avis. Merde, putain, encore un add de merde. Oh là là, j'aime pas ça. Il a combien d'HP, là? Il a 2. Non, je le tuerai jamais avant le... C'est pas grave. On va aller faire l'add. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Oh putain, les attaques de zone, comme ça. Enfin, de distance. Et on va le stun. Heureusement que Morik peut carry un mob à lui tout seul. Hein. Il faut une potion. Ouais, on va claquer les potions là sur... J'ai bien fait d'avoir préparé les potions de soins. Hein, au passage. Putain, il a pris l'aggro de lui. J'ai pas le choix, faut que je... Jusqu'à ce que mon tank revienne un jour. Oh là là, il va crever. Il va crever ce con. Ok, c'est bon. Il est pas mort. Est-ce que lui est mort? Ouais. On y va. On retourne sur Polinois. Est-ce que j'ai un res maintenant? Ah, j'ai un res. Ne meurs pas, hein, ne meurs pas. Hein. Merci. On est vraiment pas bien niveau vie, mais bon. On a toujours le gros heal. On a toujours le gros heal, donc ça c'est bien. Morik va peut-être utiliser une potion également. Que... Ouais, c'est bon, il a utilisé la potion. Oh non, arrête, arrête, déconne pas, déconne pas. Oh là là, ça pique tellement, ça pique tellement. Ok. Morik, il est où? Oh là là, Morik. Ah non, c'est le tank qui est en train de crever là. On va utiliser une big potion là, non? J'ai pas de big potion, par contre, j'ai une potion normale. Ok. Alors là. Ok, là c'est bien là. Ok, parfait. Il nous faut un stun. Un taunt. Et lui est presque mort. On va faire un... On va faire un effacement sur lui. On sait jamais s'il crève. Oh putain, encore un add. Sérieux. Ah là 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 là. Putain. Ah, les adds, il y en a tellement. C'est l'enfer. J'arrive pas à DPS. Je pense que... Non, elle, je vais la faire DPS le boss. Parce que sinon, il tombera jamais. Lui, c'est pareil. Je vais laisser juste Morik solo sur les mobs. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Comment ça se fait qu'il sort d'où celui-là là? Ah, mais c'est Polinois, d'accord. C'est chaud. Hein. Le combat, il est vraiment violent. Hein. Ok, ça va. Il a pas fait de dégâts normalement. Lui, il est comment lui? Elle, je sais pas comment elle fait pour prendre autant de dégâts. Hein. C'est fou. Ok, Morik. Moi qui va le faire le kick sur lui. Voilà, parfait. Heureusement, il prend beaucoup de dégâts. Les adds sont pas très forts et Morik a vraiment un gros DPS, donc c'est plutôt cool. Peut-être un petit coup de main sur l'ad, histoire de le terminer maintenant. Est-ce que lui a un taunt de up? Non. Par contre, il a un coup. Ok, il est mort, parfait. On va pouvoir aller sur Polinois. Est-ce que j'ai quoi? J'ai ça de up. Est-ce que j'ai une chronosphère de... Oui, de up. Oui, on va essayer. Pour la 8e fois consécutive. Ça. T'as la chronosphère qui est toujours... Ah, si. Elle est pas passée parce que le perso a fait de la merde. Voilà. Allez, on y va. Bon, la chronosphère n'est toujours pas passée, malheureusement. De toute façon, à mon avis, lui, pour le chronosphère, va falloir envoyer du pâté. Hein. Ah, il est à 1 HP. Il a 1 HP, les gars. Il a 1 HP. Ok. On est bien. Si là, il n'y a pas d'ad, on est safe. On va mettre ça. Est-ce que là, j'ai du stuff? Oui, j'ai ça.
Est-ce que Morik il a plus rien là hein? Ouais, c'est un peu la merde. Ah si, il a mis le coup là, c'est oh, parfait. Merde. Taunt. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a besoin de heal là? Non, pour le moment ça va, ça tient. Pour le moment ça tient. Pour le moment ça tient. C'est qui a l'aggro là? C'est Morik? Ah, je sais pas trop. Je sais pas qui a l'aggro de ce putain de boss, mais... Ah non, il va invoquer. Il va invoquer une merde là, non? Non. Merde. Attendez, le temps que je l'ai fait bouger là, c'est pas bon du tout ça. On va faire un taunt. Elle, elle a quoi de up? Elle a ça de up. Je sais pas si ça va jusqu'au boss. Ah là là! Il s'est TP. C'est pas grave, j'ai du DPS sur lui. On y va. Ah oui, bah évidemment, c'est lui qui a gros la vie, voilà. On va le heal. Il a vraiment besoin de heal. Et toi, tu vas faire un coup comme ça. Voilà, parfait. Allez, on y va. Là, maintenant, c'est bon. Faut envoyer la purée sur lui. Là, faut lui envoyer la max. Là, faut lui envoyer la max. Oh, il est mort! Ça y est! Oh, il est enfin crevé! Ok, approchez-vous. Ah, attendez. Vous parlez que notre voix. Bouchez-vous les oreilles. Le gros bâtard! Bouchez-vous les oreilles. Que votre vie importe. D'accord, ouais. Nous sommes partis de rien et nos efforts ont permis de nous imposer. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Maintenant, il est temps de crever. Voilà, il est temps de crever. Bon, on en a eu un. Il était violent, hein. Il était assez chaud. On l'a eu du deuxième coup, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai gâché masse potion. Hein. Heureusement que j'ai un stock. Pardon. J'ai avalé de travers. Ok. J'en ai les yeux qui pleurent. Ah, c'est tellement horrible d'avaler de travers. Est-ce qu'il a du stuff sur lui? Oui. Oh! Cri. Oh putain, on a bien fait de le tuer. Attendez, parce que là il y a du gros stuff. Hein. Alors, on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chef-d'œuvre. Donc, c'est une arme à une main. Ah, ouais, non, mais elle est abusée. Elle est abusée. Elle est abusée, regardez. Elle fait 25% de crit multiplicateur en plus sur les dégâts des coups crit. Elle fait en cas de coup critique, elle fait saigner la cible. Et en plus, elle a 5% de précision des coups. Elle est abusée. Alors par contre, au niveau du DPS, j'ai l'impression qu'elle est... Alors gueule cassée, c'est quoi? Gueule cassée, c'est ça. Mais gueule cassée, il est... Enfin, c'est vraiment bien aussi parce que ça fait ça. En cas de coup critique, ça fait saigner aussi. Je pense que le mieux, c'est ça pour le moment. J'ai quand même gardé la massue. On sait jamais. Parce que la massue, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Et ça, c'est quoi alors le cri ultime? Avec une arme. C'est quoi ça? C'est un bâton? Oh, regardez, elle a. Ah, mais attendez, elle a... l'autre aussi a peut-être une aptitude d'artefact. Non, pas du tout. Alors, ça, c'est quoi ça? À une main. C'est pour le. C'est pour lui là? Oups, pas broken! Aptitude, c'est quoi ça? Aptitude de réputation débloquée. C'est une ah, c'est un marteau. Ah oui, c'est des dégâts. Ah, attendez, peut-être que je peux le mettre sur lui en fait. Attendez, je remets ça là. C'est un marteau, alors ça c'est quoi exactement? Ce marteau, ouais, c'est un marteau. Et ça c'est quoi? Le sceptre. C'est quoi ça? Explosion. Ah ouais, c'est un AOE fire en fait.
Ah mais c'est... Attends, ça fait combien en dégâts? Fais voir un peu. Ah oui, ça fait masse dégâts, hein. Ah mais attendez, je suis sur qui là? Je suis sur lui. Regardez le... Par rapport au cri ultime, le cri ultime, il fait 20, 28, 38 de dégâts contondants. Ah oui, non mais il veut rien dire le truc. On va le mettre sur... Ah par contre, le coup du fear sur le tank, je suis pas convaincu. Mais ouais, non, au niveau des dégâts, il est beaucoup mieux. Donc je vais le laisser sur lui. Je vais aussi regarder c'est quoi cette histoire de truc là, de cri ultime, là, je sais pas quoi. Ah oui, aptitude d'artefact, pas au combat. Ah voilà, c'est ça, c'est l'explosion de confusion, elle est là. Tour de combat. Ensemble d'armes, d'accord. Attends, je regarde un peu ça là. Let's be off. Ok, et lui il a rien de plus lui. Ah, c'est quoi ça? Visage de terreur, siphonnage. C'est nouveau ça? Immobiliser et terrifier les. Ah, visage de terreur, mais attends, ça sort d'où ça? Ça c'est bien ça? Attendez, j'ai peut-être pas besoin de mettre les potions en fait. Je sais pas si je peux les enlever de. Voilà. Merde! Oh, j'espère... Ah, je crois que j'ai les consommés comme un con. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je vais mettre ça là-dessus plutôt. Ok, donc ça, c'est un fear. On va le mettre là. Le heal, c'est très important. On va le laisser. La sonnerie de fer. Attendez, je vois les aptitudes de combo. Est-ce que la sonnerie de fer, elle est pas terrible? Ça, c'est le heal, d'accord. Roue, ça, c'est avec Landry. C'est un peu nul. Lueur du tombeau. La sonnerie de fer, c'est vraiment nul. Il n'y a pas un truc avec la mage là? Ah si, c'est ça. Alors, Ebb et son groupe sont soulevés dans les airs. Ebb émet une éclair de lune guérie. Oh, c'est un guéri. Ah oui, bah oui, ça je le prends ça. Ça a l'air mieux ça. Et ça c'est quoi? Siphonnage d'âme. Ok. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je vais regarder ce qu'il a lui aussi. Hein. Peut-être qu'elle a des trucs mieux. Ça c'est les combos. Ouais, non, elle c'est plutôt bien là. Je suis assez content de ses skills. Et lui, il a des trucs en plus ou pas? Non. Ah, il y a ça, mais non, c'est bon. Ok. Bon, sauve... non. Surtout pas charger la game. Sauvegarder la game. Voilà, on a tué le premier archonte. Et maintenant, on va aller s'occuper du deuxième. Et normalement, ça sera... Alors, je sais pas si ça sera terminé, mais en tout cas, ça sera bien avancé. Voilà, c'est fait. Putain, le mec, il a... Rien que pour les deux artefacts, ça valait le coup de le tuer. Hein. Par contre, si je dois affronter un autre archon, va peut-être falloir que je récupère que je récupère du stuff. Je vais regarder un peu les potions, parce que là, j'ai gâché pas mal de potions quand même. Ah, même beaucoup de potions. Ouais. Alors là, lui, il reste... lui, c'est bon, ça devrait le suffire. Il a presque plus de petites potions. Je vais lui remettre des grosses potions à lui plutôt. Celui, c'est le tank. J'ai pas. Faut pas qu'il crève. Lui, il a assez. Ouais, ça devrait le faire là. J'ai quand même des potions en rab. Non, c'est bon. Ça me va les potions. Ok. Allez, go. Alors par contre, va peut-être falloir utiliser un bivouac avant d'affronter le deuxième archon, parce que sinon, on risque de crever. Voilà, donc normalement, c'est ici. Je vais prendre le dos, enfin de sprite. Voilà, et là, on va aller tuer Gravenash, normalement. Il va nous donner du stuff. Attendez, je vais juste répondre à un message. Oh là là, regardez, il y a des ennemis partout là. Il y a trois ennemis devant, au moins un bon paquet d'ennemis à gauche et un bon paquet d'ennemis à droite, et beaucoup au milieu aussi. Ok.
Bah, on va voir ça, on va voir ça. Alors, ok, on va sauvegarder. Normalement, non, non, normalement c'est bon, ça va sauvegarder automatiquement. Donc là, on voit qu'on a trois ennemis. On va en mettre un là. Morik va se mettre là. Voilà, et on va pull au tank. Ah putain, c'est des casters, ok. Donc là, on va taunter. On va attaquer lui. Morik va s'occuper de lui. Elle va essayer de cesser le deuxième là-bas et lui, ben, lui comme d'habitude, il va assister Morik. Alors là, ça serait bien de pouvoir passer de l'autre côté, merci. Les personnes qui se bloquent, c'est la base. Oh là là, il prend. Regardez ça, les dégâts, quoi. Les dégâts de fou. Ah, attendez, on va faire une attaque sur lui. Ah merde, elle a pris l'aggro. Ah, j'ai l'impression que ça fait moins de dégâts que l'autre quand même. Oh non, ça va, ça fait mal quand même. Ok, c'est bon. Ok, on va assister Barrick. On va assister Barrick. Voilà, et Morik, normalement, à lui tout seul, ça devrait le faire. Oh là là, regardez ça, les dégâts quoi. Ah ouais, là-haut, le Fear, elle est assez large. Hein. Elle est assez large. Voilà, il est mort. Voilà, on commence à avoir du monde épaisse. Hein. Merde, j'aurais dû debuff armure avant quand même. Bon, ça passe quand même. Barrick, il a tellement une puissance de ouf avec son arme là. Par contre, il prend jamais l'aggro. Ouais, 33 de dégâts là. Ah, par contre, du coup, sur les ennemis comme ça, c'est pas fou. Sur les ennemis comme ça, c'est pas fou parce qu'ils ont beaucoup d'armure et les armes contendantes sont bien. Bon, c'est pas grave. Heureusement, lui normalement va carry sur ce genre d'ennemis. C'est vrai que il y a beaucoup de mecs en grosse armure, donc forcément. Sauvegarder la game. Voilà, on va avoir pas mal de combats à faire là. Et normalement, après, ça sera au tour du dernier archon et ça sera fini. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais. Est-ce qu'il y a des loots là? J'ai même pas regardé. Alors là, par contre, on va faire attention, on va prendre le tank. Parce que là, il va y avoir énormément d'ennemis. Hein. Regardez tout ça là. On voit qu'il y en a 1, 2, 3, forcément. Au moins 4. Ouais, là, il y a une armée d'ennemis. Ce qu'on va faire, on va pouler. Voilà. On va pouler et on va les ramener. On va espérer qu'il y en ait un qui se barre au bout d'un moment. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On va taunt déjà. Par contre là le problème c'est que c'est que des ennemis en armure malheureusement. Ils sont que deux. Hein. Il y a lui là-bas mais lui on s'en fout. Ok, allez, Morik, on y va. On va taper sur lui. Elle va l'empoisonner. On y va, go go. Stun. Ah oh, putain, lui, arrête de prendre l'aggro, toi, s'il te plaît. Arrête. Ah, le problème, c'est ça. C'est que comme j'ai plus la grosse arme. Oh, ça, les dégâts sont assez vénères aussi, on a vu. C'est juste qu'ils ont beaucoup d'HP en fait. Arrête de prendre l'aggro, please. S'il te plaît, il y a l'autre qui te tape. Oh mon dieu. Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus dans ce jeu, c'est ça. Ah, ça y est, il a repris l'aggro, enfin. Elle va servir à rien, donc on va lui mettre ça là-dessus. T'as regardé les dégâts qu'il a pris juste en prenant l'aggro, ne serait-ce que 3 secondes. Ok, bon, lui on va le défoncer. Ils ont beaucoup d'HP. Hein. On va healer notre ami le mage là. Oh putain, c'est bon. Ah là 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 là, ça m'agace. C'est chaud, hein. Surtout que. Au final, je fais rien du tout quoi. Le mage il fait rien là. À part jeter des couteaux. For the glory of Cairo!
Alors, on lui met 22 de dégâts. Tiens, ouais, non, ça va, on lui fait mal, on lui fait mal. Regardez, lui. Lui, il n'y a que le tank qui l'a tapé. Depuis tout à l'heure, il est déjà à 2 HP, quoi. On voit que les armes contendantes sur les grosses armures, ça fait mal. Hein. Voilà, on le défonce. On lui met la max. Attendez, c'est quoi cette attaque de L, là? Étreinte. Ah oui, non, c'est bon. Ok. Ok, ok. 1000 points. Ah, il s'est heal, le bâtard. Il s'est heal. Il s'est heal. Ok. On va le stun, déjà. Ah, mais oui, c'est le nouveau bâton, ça. Ça a l'air pété, hein. Voilà, il est mort. Ok. Ok, ok. On y va. Donc là, on en a tué deux. Il reste encore... il en reste pas mal là-haut. Alors, on attend que les barres de vie remontent et après, comment dire, sauvegarder. Voilà, on va les tuer comme ça, les mecs. Hein, on n'est pas obligé de tous les affronter d'un coup. On n'est pas obligé de tous les affronter d'un coup, donc autant pouler et en ramener un peu moins. C'est plus facile en fait. Surtout que là, encore une fois, on est en mode difficile, hein, donc forcément. Forcément, c'est un peu la dèche. Vaut mieux. Voilà, là, ils sont tous. Je pense que 3 ça passe, honnêtement. 3 ça passe. Toi avec Moe qui va casser le cul au mage là. Là. Okay. Voilà, on y va. Donc lui va tanker lui. Voilà. Oh là là, ça c'est la merde par contre. Ah là 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 là, ça c'est la merde. Ils sont tous renversés. Vite, vite, vite. Ah bah oui, alors Moik, voilà. Toujours l'IA du jeu, hein. Il passe par le petit côté alors que là c'est libre depuis tout à l'heure. On va taper celui qui est le plus mal en point. Est-ce que toi t'as fait ton truc? Ouais. Là on va faire une boule rebondissante. On va healer le tank parce que les dégâts de... Les dégâts magiques ça fait mal. Voilà, Moik. Alors Moik, regardez la vitesse où il va tuer le mage là. Encore que ces mages là, ils ont beaucoup d'HP hein, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ils ont beaucoup d'HP. Lui, on voit, il a déjà pris méga cher. Hein. En fait, il... Ouais, regardez les dégâts de... Ah non, mais en fait, lui, il fait limite plus de DPS que Moik. Hein. Son arme, là, elle est archi-violente. Hein. C'est qui a pris cher, là? C'est le tank. Hein. Putain, le tank, il prend la dose. Hein. J'arrive pas à les tuer, là. Ils sont tous morts, là, presque. Il serait bien de taunter un peu les gens, là. Voilà, merci. Je comprends pas pourquoi ils sont tous low life, là, comme ça. Non, toujours pas. Voilà, putain, ça y est, il y en a une mort, enfin. Lui, on va essayer de le défoncer. Bah, parfait. Allez, on y va, on va tuer lui. Ah, t'as Mori qui a pris la dose aussi. Hein. En fait, là, il y a tout le monde qui a pris un peu la max. Je vais pas utiliser, bien sûr, un... Je vais pas utiliser de potion sur des trash mobs. Hein. Ah, c'est réservé au boss. Ouais, t'as raison. Ah, ils ont beaucoup de HP quand même pour des mages. Hein. Pourtant, on leur met cher. Hein, on leur met cher. Je crois qu'il en reste encore un. Vous imaginez ce combat-là avec... parce que j'ai tué 3 mecs avant, là. Enfin, 2. Plus les 3 mages-là, plus ce mec-là, c'est impossible. Ok, on va sauvegarder. On sait pas ce qui peut se passer. Hein. Je sauve toujours, même si là, on se dit, ouais, il y a qu'un seul ennemi. Normalement, c'est GG, on le défonce. Mais on sait pas ce qui va pouvoir se passer. Hein. Il peut très bien y avoir un add, peu importe. Il peut y avoir, je sais pas, il pourrait nous tuer. Pas forcément de tout recommencer.
Voilà, on y va. Bon là, autant dire que lui c'est une formalité. Je vais pas forcément vouloir gâcher mes spells dessus, donc on va juste le tuer au coup blanc. Oh là là, les dégâts de du marteau là, ils sont violents. Ils sont violents. Ouais, je teste le fear. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a des loot? Il doit forcément y avoir des loot dans le coin. Ah, là, il y en a. Attendez, je regarde d'abord ici. Ah, là, il y en a. Ok. Bon, c'est de la merde. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok, sauvegarde. Sauvegarde et on va s'avancer vers la suite. Il y a plus beaucoup d'ennemis, là. Il y a encore deux gros packs et le boss, à mon avis. Ah, à mon avis, l'autre, il va être violent. Hein. Voilà, il reste... Ah non, il reste un, deux... Ouais. Deux gros packs et là-haut, on voit qu'il y a le boss. Hein. Ça va être chaud. Hein. Allez, on y va. On va pouler autant que je pense. On va pouler autant que... Voilà, on voit qu'il y a des ennemis. Alors, ceux-là, on va peut-être les reculer dans la... Dans la zone ici, ça me paraît pas mal. Et le tank va pouler tout de suite. Parce que là, regardez, affronter tous ces ennemis là d'un coup, non merci. Ah, il y en a déjà un qui a abandonné. Ok, parfait, il n'y en a plus qu'un. Ouais, c'est ça, c'est la technique de poule. Hein. C'est toute une technique. Voilà, j'ai pas forcément non plus là envie d'utiliser mes spells. Il va rien se passer de fou, donc... Ah, ça y est, il saigne. Le saignement sur les armes, il est garanti. Hein. Ah, les 22, je pense... Les coups rouges, ça doit être les coups critiques, hein, je pense. Je sais même pas, en fait, pour dire la vérité. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a eu un critique à 1. Il arrête pas de se... Oh, attendez, faut peut-être que je le défonce, s'il arrête pas de se... C'est chiant. Voilà, on va le défoncer. Il arrête pas de se... C'est un peu galère. Voilà, parfait. On va revenir en arrière. Voilà, on va sauvegarder. Sauvegardons à chaque fois. Et après, on va repartir sur l'autre ennemi. Qui sont en train de rentrer vers leur camp. Allez, on va essayer de pull. Ah là là, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Ah, c'est... Ouais, on va dire que ça passe. Moïc va aller s'occuper de cet ennemi-là. Lui va s'occuper de lui. Et lui va juste taper lui. Il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose pour le moment. Je crois que ça a raté mon coup là. Ouais, ça a dû rater là. Oh là là, les dégâts! Oh là là, il est déjà mort. Il est tellement déjà mort le mob. Ah, lui, il a pris 3 de dégâts aussi. Hein. Pas de mind game. On va le lancer en l'air, voilà. Autant que Moe récupère son spell, parfait. Eux, ils font un peu plus, ils sont un peu plus résistants, donc je préfère les défoncer en fait, enfin utiliser mes skills. Vous voyez, ils ont beaucoup d'HP quand même. Ah, ils arrêtent pas de se heal en plus là. Regardez ça l'aggro, hein. Il y a tout le monde dessus, faut qu'il tape lui. Hein. Voilà. Ok, parfait. On va attendre que les barres de vie remontent. De toute façon, avant le boss, on utilisera un bivouac pour être sûr. On voit qu'il y a Eb qui va bientôt level up. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir lui donner un spell en plus, je pense. J'ai plus de sprite. Il en restait un petit peu. Il en restait un petit fond. Et je vais aller pouler.
Ah bah il reste plus que deux ennemis, donc normalement, c'est GG. Ah, attendez, avant d'aller pouler, est-ce qu'il y a des loots ici? Ah là, il y a un loot. Oh, une petite cache. Oh, la belle prise. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a, que des artefacts là. Enfin, je sais pas si c'est des artefacts, mais... Là, ça commence à être bien là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Appel Deoege. C'est un bâton. Sur le contrôle de la vie, c'est très très intéressant. Peut-être que lui, on va lui mettre un bâton finalement. Parce que plus 10 sur le contrôle de la vie et plus de santé, c'est bien. Hein, c'est vraiment bien. Peut-être que je vais le mettre sur lui en fait. Voilà. Je vais le mettre en deuxième arme. Parce que du coup, il aura plus de... Sur les sorts de vie. Il aura plus de... Ça sera mieux. Ils seront mieux. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ok. Oh, regardez, là, le bâton, il est assez stylé. On voit qu'il fait un effet, un espèce d'effet... Alors, une grosse potion et une machin. Tout ça pour ça. Ah, là, il y a un bivouac. Super. Il y a un petit bivouac. On va pouvoir se reposer. On va finir ce combat. Et après, on va se reposer. Allez, on y va, on va pouler au tank. L'AOE. Parfait. Et on va tuer. Voilà. Et lui, là. Je pense qu'il va faire aussi plus de dégâts. Est-ce qu'il tire à distance? Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, ça va faire mal. Attendez, je regarde un truc. Inventaire. Faire des dégâts. On passe de 13-14. En avant, on avait quoi? Merde, elle est où son arme à lui? Ah, elle a disparu. Je sais pas où je l'ai mis. Ah non, elle est là. On passe de 8-9 à... Ouais, non, mais c'est... ça veut rien dire. Ok, regardez là, les dégâts déjà qu'il a pris. Juste à cause des mages. C'est fou. Allez, on y va. Oh là là, dégâts 22. Ouais, il est déjà presque mort. Et lui, il est mort avant même que... On ait fait quelque chose. Oh ouais, non mais... Là on envoie la sauce. Hein. Affronter Gravenhash. Alors on va l'affronter, mais d'abord on va looter. Et en plus on va aller se reposer. Alors, je vais sauvegarder. On va d'abord aller clean tout le camp. Histoire d'essayer de faire level up le maximum de personnages. Dont notamment Ebb. Notamment Ebb qui est à deux doigts de level up. Voilà, on y va. Ça, c'est bien parce que du coup, on est full. On est full vie. Mais là, il y a un loot. Ok, c'est de la merde. On va aller clean toute la base. Okay. Je check hein, si jamais il y a des petits loots cachés. Ok, là, il y a pas mal d'ennemis. On va reculer. Beaucoup trop d'ennemis à affronter d'un coup, donc on va juste envoyer le tank. On va envoyer le tank, pareil, faire les poules. Heureusement qu'on peut faire ça, hein, sinon... voilà, on va reculer eux, on sait jamais. Ok, là ça m'a l'air... Deux, ça m'a l'air bien. Ouais, ça m'a l'air bien. Allez, on y va. Moik. Moi, oh, je pense qu'on peut tous défoncer lui en fait. Là, on a tellement de DPS, même sur les attaques de base, que. Voilà, regardez ça. Là, il a déjà perdu toute sa vie. Ou pas. Bon, lui, au moins, fera plus de dégâts. Est-ce que je peux utiliser ça avec le GSST? Ah non, faut qu'il switch d'arme. Ok, bon, c'est de la merde. Oh, je vais le laisser au bâton. Ouais, pour regarder ça. J'ai même pas besoin d'utiliser mes spells, en fait. Du coup, on a quoi après? Attendez, je vais essayer de pouler juste ces deux-là, là. Ok, c'est des mages. Ah là là, par contre, c'est chiant. Non, c'est bon, ils viennent. Ok, on va aller tuer celui-là.
Celui-là, on va envoyer la max sur les mages, ils vont prendre cher. Voilà, il est assommé, et voilà, maintenant il va prendre la sauce. Voilà, terminé, le deuxième. Là, on arrive à un moment du jeu où ça devient assez jouissif. Ah, je crois qu'il va se heal. Bon. Et voilà, il est presque mort. Allez, il est temps de crever, mon gars. Et il prend du temps, hein, il prend du temps. Je vais peut-être lui mettre un coup, non? Voilà, bon, c'est bon. Ok. C'est le GG. Est-ce qu'il y avait des loot par terre? Je ne crois pas. Donc, on va sauvegarder. Bon, j'espère qu'après après ce boss là, ça sera la fin du jeu quand même, hein, parce que ouais, ça... ça fait un petit moment que ça dure. C'est pas que j'aime pas le jeu, mais... Ok, donc là on a deux ennemis. On va envoyer Morik là-dessus, lui là-dessus, et on va envoyer l'assist sur Morik. Là, Morik a... Oh là là, il a pris cher. Là, la grue initiale a fait mal. Il est déjà mort. Voilà, il est mort. Et lui, regardez, il a déjà pris un cran alors qu'il était tout seul, le barrack, là. Oh, il est tombé, il a voulu faire un saut. Et il s'est fait renverser instant. Enfin, on va prendre l'aggro quand même, là. Allez, ça va le faire, voilà. Le camp est nettoyé. Alors bien sûr, on va essayer de looter des trucs. Oh, c'est quoi ça? Armure de cuir. Armure de cuir. Est-ce que j'ai une armure de cuir nulle? Oui. Ah, évidemment, elle va être mieux. Dégâts perforants. Tranchant perforant. Et on est à perforant. Donc là... Perforant armure. Attends, c'est quoi la différence là? Perforant. Parce qu'il y a perforant, il y a tranchant armure, en tranchant armure je perds. Par contre en perforant armure c'est la fête, hein. Perforant. Ça c'est du tranchant perforant, et ça c'est du perforant, donc normalement c'est bon. Ouais, c'est une meilleure armure. Ah oui quand même. Mais ouais, cette armure là, elle était là depuis le début. Hein. Voilà, on a quand même un peu plus la classe. Et maintenant on va fouiller le camp à la recherche de loot. Donc là, il n'y a rien. Je m'approche parce qu'on sait jamais, il peut y avoir les loots cachés. Non, il n'y a rien. Ok, on va retourner au bivouac. On va se re-heal à fond et puis on va affronter Gravenash. Je sais plus où est la tente. Normalement, c'est celle-là ou celle-là. Ouais, c'est celle-là. Et là, normalement... Voilà, on est full vie, on fait une sauvegarde et on va affronter le... Alors, je sais pas si ça va être le dernier boss, mais en tout cas, le deuxième Archonte. Je sais pas comment on dit. Archonte. Je sais pas. Et on y va. Voilà. Alors, je sais pas lui ce qu'il va faire. J'espère qu'il va... Oh là là, déjà, il a une garde avancée. Oh, il y a du monde! Lui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein, depuis le début du jeu. Mon foyer en votre présence, ce sera la dernière fois. Alors. Ouais, d'accord. C'est l'heure de dessin, cela n'est pas nécessaire, s'il vous plaît, c'est irréfléchi. L'archonte de la guerre ne pourrait pas accepter d'autres alternatives, je me trompe, H. Disparu, nous avons terminé, vous et moi. Oh là là, j'espère que ça va pas être... Oh là là, ça va être l'enfer là. J'espère que... Je vais pas affronter tout ça là, parce que sinon... Ok, voilà, ils viennent pas tous. T'as assez chaud là. Hein. Il y a 4 ennemis en armure lourde là. J'aime pas du tout ça. Ok, donc là tranquille. Hein. Voilà, ça va être chaud du cul. Hein. On va focus celui du milieu.
Je vais focus celui-là, là, plutôt. Ouais, parce que là, voilà, là, ça va être chaud. Hein. 4,5 d'un coup, sachant qu'on peut pas forcément kiter. Il va falloir faire du CC. Là, on va CC celui-là. On va tuer celui-là, là-bas. Ah, voilà, c'est ça que je crains le plus, c'est les aggros random, malheureusement. Ah, les aggros random. Ah, ça va être la plaie. Ok, ça va, il l'a pas pris. Ok, on va affronter celui-là. Ok, c'est parti, go. Ah là, le tank normalement il devrait tenir. C'est pas forcément lui qui m'inquiète le plus. Putain, c'est chaud là. Il fout quoi le tank là? Faut qu'il taunte lui là. Ah là 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 là, lui il prend l'aggro de tout le monde là, ça y est, ça commence. Je vais faire ça. Voilà, parfait. Il reprend l'aggro initial. Ah putain, maintenant c'est l'autre qui va... Ah là là, c'est chaud. Ok, là le combat est vraiment pas évident. Parce que ça, l'aggro va partout. Moe qui est en train de crever. Ok. On va essayer d'interrompre lui là. Ah, ça c'est le problème. Hein. Voilà, c'est le problème. C'est le problème de ce combat là. C'est qu'on va avoir les aggros sur tout le monde. Et là on peut pas fuir. Ok, il y en a un déjà qui a arrêté. Putain, Mori qui est en train de se faire free kill là. On va commencer par le taper lui. Ah, faut vraiment qu'il arrête là. Waouh, revenez là. Putain, c'est... le tank il sert à rien. Bref, il sert à rien. Ça m'énerve. Oh, j'ai horreur de ça. Ah, le combat là, il est plus dur que. Il va être plus dur que le boss parce que juste à cause des aggros. Hein. Ah non, là c'est mort. Hein. Là j'ai des aggros partout en fait, c'est ça le problème. Je peux pas me concentrer sur un mec, je dois tout le temps bouger mes mages. Ah non, c'est chaud là. Essayer de passer à côté du... Ah, il va pas vouloir. Hein. Moi qui est en train de crever, on va essayer de le heal. Lui il est en train de crever aussi, il y a tout le monde qui crève là, sauf lui là. Ah là là, ça me saoule. Ouais, putain, ils prennent tous les aggros là de merde. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que des cacs. Et c'est que des mecs en armure lourde. Et c'est là où je suis assez faible. Ok, ils sont terrifiés. Parfait. On va peut-être pouvoir terminer. Il est mort, lui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est renversée, d'accord. Vas-y, on va faire ça. Regardez, on fait des trucs de fou. Et lui arrive quand même à reprendre l'aggro tout le temps. C'est incroyable. Il est au Morik là, dans le tas. Il est là. Allez, on va essayer de tuer. Oh, la chronosphère a fonctionné, heureusement. Ah, j'ai oublié de faire ça, hein. Je suis désolé, mais... Oh là là, puis lui s'est fait renverser comme une grosse merde. On peut faire quelque chose avec elle, oui. On peut faire ça, espérer que ça passe. Non, ça n'a pas passé, malheureusement. Là, je pense que le mieux, c'est un heal de zone. Morik a été mis KO. Quoi? Ah oui, non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Là, il serait temps de faire le heal. Hein. Ça va être chaud. Hein. Et lui, il est presque mort. Voilà, parfait. Allez, on va essayer de focus... on va essayer de tuer lui, là. Pendant que les mages vont finir lui, là. Je pense que c'est plutôt bien. Oh mon dieu, l'enfer. Mais pourquoi tu bouges pas, Morik? Allô? Salut, Lika, ça va? Oh putain, il s'est heal, ce con, en plus. Non, c'est moi, il sait pas, il est déjà indice. J'ai confondu de target. Ok, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Alors, j'espère que le combat va pas s'enchaîner comme ça. Oh mon dieu. Ok, va falloir healer quelqu'un. Lui il est presque mort. Ça vaudrait le coup de faire ça. Lui envoyer ça sur la tronche. Voilà, ça fait gagner du temps. Un taunt. Lui il est presque mort, c'est parfait.
On va envoyer toute la sauce sur le presque mort là. Voilà. Voilà, il est mort. Ça, le combat était pas évident. Hein. Bah écoute, ouais, ça va, ça va. Ça va, tranquille. J'essaye de terminer Tyranny peut-être aujourd'hui. Ça me paraît pour le moment un peu compromis parce que ça a l'air plus long que prévu. Mais on va essayer. Allez, je vais le heal. Ah merde, il s'est fait tomber là. Il est tombé comme une merde. Oh là, il a fait un AOE là. C'était violent. Et voilà. Ok, il s'est fait. Oh mon dieu. Ok. Le tank. Il est temps de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Oh mon dieu, ça y est. Oh là là, ça va enchaîner. Oh mon dieu, c'est chaud. Ok. Oh là là, là, il y a... Oh putain, il y en a plus qu'avant. Mais c'est des mages. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le combat, il est tendu, là. Hein. Ça enchaîne. Hein. Ok. Donc, j'ai une idée sur ce qui va se passer, là. Donc, là, on a 4 ennemis, 4 mages. Donc, on va envoyer Barik ici. Le problème des mages, c'est qu'ils font extrêmement mal sur mon pote, là. Donc, on va essayer d'aller les tuer rapidement. Allez, on y va. Ok, il y en a un qui est cessé, c'est parfait. Et lui, là derrière, lui, on va le chronosphère. Et Morik, faut qu'il le défonce, lui. Hein. Ça va être le truc de base. Oh, waouh, ok. Putain, il s'est pris un coup. Ah là, faut potion. Hein. Ok, potion. Ah, 200 PV. 100, ouais, j'ai besoin de heal sur Morik, là. En urgence. Ah, j'espère qu'on va pas tous les affronter derrière parce que là j'aurai jamais assez de PV de trucs là. Attendez parce que lui prend les dégâts là. Il y a Moï qui prend les dégâts de tout le monde en fait là, c'est un peu problématique. Ok, il y en a un qui est... Non, il n'est pas mort malheureusement. Oh là là, c'est chaud. Le combat là, il est plus dur que l'autre. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et lui, il veut pas crever, lui là. Il doit claquer encore une estoc dessus. Attendez, je vois si je peux pas taunt là. Parce que lui là-bas, il fait chier là. Il attaque tout le monde. Ok. Maintenant, on va essayer de chronosphère lui. Non. Ah, il peut pas chronosphère. Merde. Bon bah, il va attaquer tout simplement. Et elle. On va faire ça et voilà, on va essayer de défoncer lui là. Ok, lui ça s'est bien passé, on enchaîne. Et lui il attaque pas en fait des fois, je comprends pas pourquoi il fait ça. Des fois il s'arrête d'attaquer, on sait pas pourquoi, au pif. Ok, il y en a un qui est mort. Ok, deux de morts, là on va tout claquer sur lui là. Oh, il a pris tellement cher là. Oh mon dieu, il y en a combien? Oh non, tout ça? Ah non, c'est juste 4, ok, ça va. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que Morik va aller sur lui. Toi, tu vas cesser celui-là et toi tu vas juste attaquer lui, voilà, parfait. Là, ce qui serait bien, c'est de faire un taunt sur lui, l'attaquer, voilà, parfait. Ok, il y en a un qui est suspendu, c'est parfait. Du coup, focus sur lui. Merde. Focus sur... Non. Focus sur lui. Voilà. Ah, le combat, il est chaud parce que ça s'arrête jamais, en fait. Il y a des vagues d'ennemis, là, tout le temps. Ah, bah, enfin, il est Morik. Il s'est fait heal, là, ou quoi? Je crois pas. Ah, il a plus beaucoup d'HP, hein. Attendez, j'ai de sort. C'est quoi, ça? Oh là là, il y a Morik qui est en train de crever là. Ah, faut taunter et je sais pas quoi faire là. Ah si, un effacement. Normalement ça va le heal. Ok, parfait, ça l'a heal. Ok. Et lui il prend il veut pas prendre l'aggro de celui-là, c'est un peu dommage. Du coup c'est Morik qui fait la gueule. Ok, on va envoyer une boule de réverbération. Ah, lui il veut pas, hein. Celui-là il veut pas se retourner. Hein.
qu'il arrive. Ça y est, il s'est retourné. Ah là, c'est chaud. Là, je crois que... Oh là là. Oh là là, va falloir tout recommencer. Si je meurs, faut que je recommence tout. Hein. J'ai aucun moment de répit, là. Ah, Morik va crever. Faut qu'il prenne une potion, là. Y a pas le choix. Oh là 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 là. C'est chaud, là. Là, les combats sont vraiment chauds. Y a aucun temps mort, en fait. S'il te plaît, prends une potion. Je sais pas quoi faire là. Là, Morik, il a trop de monde sur le dos et lui, lui veut pas reprendre l'aggro, donc là, c'est problématique. Le seul moyen que j'ai pour survivre, c'est de faire le fear. Ah, attendez, je peux peut-être le heal là encore. Ah oui, fais bien tout le tour, hein. Fais bien fucking tout le tour, hein. Ok. On va faire un heal de zone. Putain, oh là là, il y a tout qui se passe mal là. Oh là 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 là, c'est la mort. Putain, je vais devoir tout recommencer. Non ! Oh, j'en peux plus. Ah là là, il est paralysé ce con là. Il y en a deux de morts, il y en a un de mort. Ah, il va crever. Si mon mage meurt, c'est fini. Voilà, c'est trop dur cette zone, hein. Ah non, il va pas y arriver. Il est paralysé. Est-ce que Morik a de quoi se heal? Une potion peut-être? Ouais, le mage est mort. Le mage est mort. Il me reste 4 mecs sur le dos. Ça va être chaud, autant vous le dire. On va essayer de tuer lui là-bas. Je pense que là, c'est foutu. Je vais devoir tout recommencer. Je sais pas si je vais y arriver, honnêtement. Parce que, peut-être en baissant la difficulté. Parce que là le combat, il est vraiment violent. Hein. En fait, le problème, c'est que le combat ne s'arrête jamais. Si j'avais même ne serait-ce qu'un temps de répit, ça passe, mais... Le tank est en train de crever. Bon, si j'y arrive pas sur ce moment-là, je vais baisser la difficulté pour le fight, là, parce que... Honnêtement, j'ai pas envie de le recommencer 50 fois. Puis j'aimerais bien aussi terminer le jeu, donc là, je m'en fous un petit peu, en fait. Je vais essayer de TP lui, là. Ça n'a pas marché, évidemment. Potion. Et il y a encore moyen. Il y a encore moyen s'il n'y a pas les deux combattants, là, après. Si j'ai un moment de répit. Le truc, c'est que ça va être chaud du cul. Ah là là, la potion, elle a même... Ah si. Ah, il n'a pas pris sa potion encore. Prends ta potion, là. Ah, il veut pas, hein. Il a décidé de pas prendre sa potion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends pas ta potion? T'es paralysé. Non, il veut pas. Hein. Il veut pas. Ah. Ah si, ça y est, il a pris sa potion. Ok, c'est GG. On va envoyer une boule à tout le monde. Oh là là, il y a Morik. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi il est là, lui? Oh mon dieu, il y a Morik qui a repris tout l'aggro, là. Ok, parfait, on va les stun. Enfin, Morik, il est presque mort. Je gâche toutes mes popos, alors c'est même pas le boss. Hein. Ok, il y en a un autre de mort, c'est parfait. On va attaquer lui. Là, il faut faire un taunt de zone et espérer que Morik arrive de reprendre tout l'aggro. Allez, s'il te plaît, fais quelque chose, toi. Merci. Non. C'est dur, hein, c'est dur. Je sais pas c'est quoi ça, ça m'angoisse. Je me demande si j'ai pas une potion de res. Je suis en train de me poser la question là. Attendez, est-ce que lui peut faire l'attaque de blast? Oui. Attendez, il l'a faite là? Non, c'est ça. Poigne. Ah non, mais ça c'est... Non, c'est pas ça que je veux, c'est le... Ah, je l'ai déjà utilisé. Vous devez vous reposer. Merde. Non, bah, c'est pas bon, alors. C'est pas du... Oh là là, et puis l'autre, il est en train de crever, là. C'est chaud, là. C'est chaud. Ah non, il est presque mort. Non, c'est bon, c'était Morik qui était en vie. Ok.
Allez, là, il est temps de le terminer, le mec, là. On va lui envoyer une boule d'énergie. Et ça. Ok. Un de moins. Ah, c'est chaud, hein. Est-ce que... Attendez. Pause. Il faut que je vois si j'ai pas... Si j'ai pas une potion de raise. Si j'ai une potion de raise, on peut être safe. Alors, attendez. La question... Étourdi, volonté, haute veille. Non, je crois pas que j'ai de potion de raise. Hein. Il me semble pas en avoir vu. Ah non. Non, j'ai pas de potion de raise. Ok, c'est pas grave. Faut espérer que ça soit le dernier fight. Allez, on va le stun. Voilà, parfait. On va le noyer. Et là, espérer que ça soit vraiment le dernier, qu'on n'ait pas affronté le boss tout de suite. Je sais pas c'est quoi ce truc, hein. Ok. Crève! Oh mon dieu, crève! S'il te plaît, meurs! Il est temps de mourir, là. Il est temps de crever. Il veut pas mourir, hein. Et je lui envoie tellement la sauce pourtant là. Ah c'est bon, il est stun. Oh là là, ça y est. Pitié. Oh là là, il y en a encore combien? Il y en a encore combien? Ah ça y est, il y a lui qui arrive. Oh bah putain, bah alors là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vivant? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y avait mon mec qui était vivant? Oh là là. Potion. On est à... Oh là là, ça va être chaud du cul. Hein. Allez, on y va. Ça y est, c'est le boss. Bon, si jamais je fail, je repasserai en mode facile et j'essaierai de le... Ouais, oh là là, je le sentais pas, ce truc-là, là. Non. Ah, il veut pas taunter. Ça n'a pas marché. Ah, faut pas que Morik ait l'aggro là. Ok. On y va. Ok, il a pris la. Oh putain, il a pris tellement la sauce. J'ai rien pour le heal malheureusement. Ça va être chaud de le tuer lui. Autant vous dire que sans mon heal. Ok, le truc ne marche pas. Alors lui, il est cessé maintenant. Est-ce que je pourrais tenter de le étreindre? Ouais, je vais faire ça. Oh là là, il a pris un coup là. Vite. Ok. Il est deux zones. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai Morik qui vient de crever pour je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'était de la merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête avec le. Redescends. Merci. Oh putain, il a pris un coup, il est mort quoi. Et là, c'est la fin. Bon, c'est pas grave, je vais refaire le fight, mais. Ah là là. Non, c'est fini. Je vais recharger la. Je vais faire en mode facile, c'est trop compliqué. J'ai pas forcément envie de me reprendre la tête avec ça. Si j'avais eu mon mage, je pense que ça serait passé, mais sans mon mage... Le combat est trop long, le mage n'arrive pas à tanker tous les dégâts, donc c'est pas grave, je vais passer en mode facile. Juste pour les randoms, et je remettrai en mode difficile pour le fight de fin. Oh là là, merde. Ok, ah bah ouais, je dois tout recommencer. Là j'ai perdu facilement... Alors attendez, j'ai perdu facilement un quart d'heure. Ouais, je vais pas me fatiguer, hein. Je vais passer en mode normal. Voilà, ok. Désolé, mais là le combat il est vraiment trop long et trop chiant. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, à mon avis, il n'y a aucun moyen de négocier avec lui, donc. En fait, celle-là, c'est la vague la plus difficile. Hein. Celle-là, la vague avec les mecs en armure là. Voilà, normalement ça doit bien se passer étant donné qu'on est
Qu'on est en mode facile, j'espère. Vraiment, en mode facile, ça doit être gratuit. Hein. Ah bah on voit la différence, on fait des dégâts. Ah, ça va peut-être pas non plus.